Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie. Vous y verrez mes réactions à certains succès et mes plus belles tentas. Bon visionnage. Magnifique 47 de puits ici sur un full perf. Donc bah c'est magnifique, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On va tranquillement aller chercher le tackle, qui est peut-être le plus dur à passer. Easy. Les repères. Ok. Donc là j'ai eu moins 24. Il me reste 19. Je peux soit tester le 3%, soit essayer juste de remettre le PO. Je vais tester le. On va d'abord commencer par mettre le PO. Qui passe. Alors là je peux soit tester le 3%, soit faire le mec sage et trans. Techniquement, je peux tester le 3%. Et si j'avais pas 3%, je transe. Sur 2%, ça me va pas, donc je transerai. Donc là, j'ai 3 tentats. Voilà, ça passe pas, donc je pourrais pas avoir mieux que 2%, donc je préfère trans. Si j'avais eu le triple qui passe, j'aurais go 3%, en fait, tout simplement. Mais donc là, on va trans. Bah écoutez, je vais chercher ma rune trans et on se retrouve tout de suite. Nous y voilà. Donc, petite rune trans res mêlée. Écoutez, je sais que c'est un peu la facilité de mettre une trans sur un puits PM, mais comme je me suis dit, je le fais que si j'ai le full perf. Hein. J'aurais eu un 39 sagesse ou un 299 vita, je me serais pas permis de le faire. Mais là, je le fais parce que j'en ai besoin pour PVP. J'ai envie de PVP rapidement. Et vous inquiétez pas s'il y en a des éventuels déçus dans le chat. On refera évidemment des sessions de tryhard sur des jets beaucoup plus gros. Mais voilà, là, j'ai envie de pouvoir PVP. Donc, je me dépêche un peu de faire les stuff. Et ça reste quand même tout à fait acceptable. Hein. Donc, bah, let's go. Petit res mêlé, évidemment, parce que ça va être pour jouer avec un phalanster. Donc, c'est intéressant d'avoir des res mêlés en complément des résistances du phalanster. 89 de puits. Bon, enfin, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Excusez-moi pour la formulation un peu dégueulasse, mais c'est l'idée. Donc, évidemment, moins 10. Là, les amis, c'est la papode, hein. Ne jamais rater une opportunité de faire le malin avec un moins 38 à la papode. Et oui, ça, c'est fait. Ensuite. Lara Age. Est-ce que j'ai besoin de Ra ou est-ce que j'irai pas en spam pas Age par hasard? Je pense qu'on va faire le mec qui balance de Lara Age et évidemment. Peut-être que le karma se rééquilibre après tout ce que j'ai subi avant. On a une tenta full perf les amis. La tenta full perf. Tac. Moins 6. On a encore beaucoup de puits en stock. Les crits qui me régalent, mais bien sûr. Les planètes sont enfin alignées après tout ce temps, c'est vraiment. Bah c'est nickel, hein. Moins 8. 60, tout pile les amis, c'est vraiment magnifique. 10 tentats, les congruences parfaites, les planètes. Là franchement, si les planètes sont pas alignées, je sais pas ce qu'est aligné, mais c'est magique. Allez, let's go. 1, allez, 2, mais oui! Je vais rien dire, la dernière fois j'ai call un 4%, évidemment, je me suis fait karmater direct. Le full perf 3%, les amis. Enfin, full perf, on se comprend, hein, sur les lignes qui m'intéressent, évidemment. Je mérite le PM, hein, que ce soit clair. Et, et comment dire que ça passe pas, quoi. 85 de puits. Let's go. Aïe, moins 30. La papode. Mais je suis trop con! C'était pas une papote qu'il fallait tes trois potes, j'y ai pensé dans ma tête en plus. Bon, je suis le pire singe. Hein. Écoutez, la honte, ça bat sur moi, là, j'ai pas d'autres mots. Que faire? Je suis le pire des boulets, j'étais trop fier, là, je vais lancer mon petit fou. Bon. Comment vous dire? Non, mais. Voilà, hein, le chat retombe sur ses pattes, hein, si vous voulez. Pour la peine, je ne compte plus le puits, hein. C'est la fête du slip, let's go. Si vous voulez, dans la vie, des fois, quand les planètes sont alignées, il faut savoir foncer. Allez, je mets mon 3%, je mets mon PM. On ne compte rien, il n'y a pas besoin, on n'a pas le temps. Ah merde. Je me voyais bien partir sur mon trip et aller jusqu'au bout, mais. Non, mais si vous voulez, c'est pour le beau jeu, quoi, pour le beau jeu. Alors, je tiens à préciser que ça fait 1h13 que je suis en live et que c'est la première tenta PM en 1h13. Le PM sur cet item ne veut pas tomber, c'est absolument aberrant. Avec le chat, on est en train de se demander s'il tomberait ce soir et même si on n'allait pas faire tout un live entier sans avoir une seule tenta PM, ce qui est assez aberrant quand même sur des bots random. Alors, une fois que ça c'est dit, on a 84 de puits, on a un over de 23 de vita, on peut s'en sortir, on peut avoir.
Refix plus pod, on peut avoir le full perf. Enfin, full perf, on se comprend, sur la Vita, quoi. Moins 30, hop. Donc là, il me faut... Alors par contre, si je mets ré neutre et qu'elle passe, je peux me retrouver embêté. Donc là, exceptionnellement, je vais mettre de la force pour être sûr que ça passe pas. Ce sera plus intelligent pour ce que je veux faire. Alors évidemment, ça passe, hein, ça c'est bon. Hein, Dofus. J'ai un moins 6. Donc... je suis dans la sauce là. Plus intéressant que j'ai à faire, c'est quand même de pod maintenant. Parce que double moins 6, j'y crois pas une seconde. Et en plus, on a le 35 sagesse. Ça, c'est pas terrible, hein. Ça part déjà pas hyper bien. On va mettre la Rafo. Moins 30. Non, mais c'est un régal. Hein. On va aller absolument nulle part avec le puits qui reste. Mais bon, tant pis. On récupère l'over proprement. Moins 10. Moins 9. Bah écoutez, il me reste 5 depuis. Je me régale. Hein. 1h13 de live à faire cet item, à espérer que le PM tombe pour avoir ça. C'est vraiment. Bah GG à tous, quoi. On se régale. Dofus, c'est trop cool. Donc on va mettre le PM, évidemment. Évidemment, ça passe, hein, ça on connaît. C'est fatigant. C'est fatigant. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Le G, il est absolument immonde. On va mettre ça, mais... Ça passe pas... Allez, on continue. Je suis dépité, hein. Franchement, je suis dépité. Enfin, une belle tenta. Enfin, 85 depuis. J'ai le full perf, là. J'ai le full perf qui est... alors, je vais pas dire acquis, mais qui est très bien parti. On va faire Pavi. Pavi. Moins 9. Moins 20. Rune pod. On a le full perf. Alors, ça va être compliqué d'aller chercher les autres lignes. Moins 30, ça fait très très mal. Que je peux récupérer à la Dotaire. Pas de chance. Ah là là, le full perf qui va avoir du mal à passer, je pense, les amis. Il me reste 26. Je crois que je vais tenter la Pafo, qui a peut-être un peu moins de chance de passer que la Rafo, mais ça me bouffera moins de puits. Voilà, moi ouais, j'ai de la chance. Je me voyais mal balancer la Rafo là. C'était un peu ambitieux, mais ça passe. Et malgré tout, j'ai quand même pas un trait. Il me reste pas beaucoup, quoi, si vous voulez. Moins 5. Et écoutez, j'ai tout pile mes 3%. Hein. J'ai mes 3 tentats. Si les 3 passent, j'ai mon 3%. Hein. Moi, je ne demande rien de plus que mon 3% et mon PM, si vous voulez. Alors, c'est pas 18 tentats. Hein. Ce serait beau. C'est 3 tentats. Hein. Pas de chance. La réalité est ce qu'elle est. Et c'est pas de chance. C'est pas de chance. J'ai le 2% quand même. Est-ce qu'on a un 2% là-dessus? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur cet item abominable? Est-ce que temporairement on s'arrête là-dessus pour pouvoir FM un peu d'autres trucs? Parce que ça, c'est franchement hyper relou. Et le reprendre plus tard pour aller chercher le 3%. Parce qu'en vrai, sinon, on est parti là sur... Enfin voilà, ça fait 1h20 que je suis en live, on a eu 2 tentats en 1h20 sur un item qui est censé être complètement éclaté. Sur ce full perf sur les lignes qui m'intéressent, donc c'est pas vraiment un full perf, on est d'accord, mais bon. Je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir PVP un peu avec, parce qu'en plus c'est pour tester un mode, hein, c'est vraiment pour du test. Donc là, je pense que je vais le laisser comme ça, au moins temporairement, et si je confirme ma volonté de l'utiliser en PVP, bah, j'irai rechercher le 3%. Mais, et ça partira avec soit un PO, soit 1% d'eau sort, soit 1% res mêlée, ou ce genre de choses. Voilà. Bah, écoutez, je suis assez déçu quand même de ce FM. En plus, j'ai eu une tenta full perf en 3%, peut-être même plusieurs, je ne sais plus. Mais voilà, franchement, c'est tellement abominable à faire, et moi, voilà, je sais qu'aussi pour vous qui me regardez en live, en vidéo, c'est pas forcément intéressant après d'avoir une vidéo de 2 heures de tenta PM qui ne repasse pas sur des tentations.
Donc écoutez, voilà, hein, on va tranquillement accepter ça temporairement pour tester le mode, et puis on refera des... Et en plus, il me refaudra d'autres tentations, mais cette fois-ci avec les dos neutres et avec le retrait PA pour un fake inter retrait PA que je compte faire aussi. Donc cet item qui est déjà infernal, voilà, je vais devoir me le retaper. Autant dire que je suis pas refait, et c'est incroyable parce que il y a dans mes anciennes vidéos de Forge Magie, genre il y a 2 ans ou je sais pas quoi, j'en avais déjà fait des tentations et je me rappelle que j'avais mis des miniatures en mode c'est horrible la malédiction des tentations, je sais plus quoi, que genre vraiment je pétais un câble parce que l'item quand tu le vois comme ça tu te dis bah c'est facile à faire quoi, c'est un item tranquille, il y a aucune ligne qui est particulièrement compliquée, il y a un PM, enfin c'est censé être un item facile. Et pourtant à chaque fois toutes les sessions FM là-dessus c'est un casse-tête comme pas possible quoi. Bref, bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, bof, je me suis pas hyper amusé, mais bon, ça fait partie de la Forge Magie. Des fois, c'est très cool, des fois, ça l'est un peu moins. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires, du moins j'essaye et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Mais voilà, le 50 a gagné la négociation, évidemment. Bah, GG à lui, il a été meilleur. Hop! Alors là, évidemment, ça passe, hein, comme par hasard. Voilà, tac. Les gars, on a une tenta. Je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons, comme on dit chez moi. Alors attendez, hop. 5-5. Regardez-moi ce G. Que demande le peuple, en fait? En vrai, on va crit là-bas d'eau, je pense. Ah, je voulais la crit, hein. Vraiment, je voulais vraiment crit, c'est vraiment pas de chance. En vrai, crit tacle. Alors là, par contre, le 19 de R, c'est une sauce. Alors évidemment, il y a le cri de sagesse. L'invo repasse pas. Je suis presque content qu'elle repasse pas, en vrai. Bah du coup, je mets pas de PA. Je sais pas, là, je suis dégoûté. En vrai, on était à 1 de R du G, hein. Et avec l'invo, mais c'était vraiment bien parti. On finira par l'avoir, vous inquiétez pas. Ça part plutôt bien. On va mettre une petite rune à J. Je mets de la J exceptionnellement parce que je veux avoir le full perf. Oh putain, moi aussi, ça fait chier. C'est bon, ça me saoule. Du coup, j'ai int la suite, évidemment. Oh, c'est relou. Petit over qu'on récupère, tac. Évidemment, ça crit. Je me fais troll, hein, là, vraiment, littéralement. Le crit de sagesse. En vrai, on est à 2 runes d'avoir un truc potable. Pro, les amis. L'invoque. Du coup, je suis deck d'avoir int la vita parce que j'ai fait full nimp. Hein. J'aurais dû pod même après, mais j'étais en mode allez, c'est bon. Allez, c'est bon, je me fais karma, c'est bien. On va y aller sur la. Enfin, cela dit, je peux essayer d'avoir après des tentats à ça. On va y aller sur la répm. J'aurais pu mettre la pas répm en espérant que ça bourrine le PA. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Là, j'ai moins 1. Je regarde un petit peu la ligne d'avant. Là, j'ai moins 3. Moins 3, moins 1, moins 4. C'est très probable que je sois à 0 ici. Là, j'ai plus 2. J'ai 2 plus 93. On a une tenta, les amis, incroyable. Parce qu'on a les congruences parfaites pour le full perf. L'invoque est sur l'item. On a les 17 dos. Tout se passe hyper bien. Il faut la pavie. Ça passe plutôt bien. C'est un peu compliqué à ce stade, mais sur 400, ça passe encore. La ravie. Les amis, c'est vraiment énorme l'attentat qu'on a. Moins 10. Il va falloir garder la rasa pour la fin, je pense. Il va falloir garder la rasa pour la fin. On a un G qui vraiment se présente très très bien. Je suis un peu en train de stresser, je vous avouerai, parce que ça fait 3 jours que je suis sur l'item. Donc si ça pouvait conclure, ce serait pas mal. Ok, on va y aller tranquillement. On a moins 18. J'ai 76 encore. Va falloir passer la pas de R. Est-ce qu'on la mettrait pas maintenant? Le chat me demande pas de R. En vrai. Allez. Le crit. On va mettre la rep. Je vais mettre la pas repou et je récupère l'over sur le tackle.
Moins 6, ça c'est au petit. Les amis. Esquive PM. Moins 14. J'ai peur. J'ai le petit moins 24, donc j'avais effectivement un de pion en rab. Ah les amis, coup dur pour le joueur français là. Alors là, je suis dans une situation. Je suis dans une situation compliquée. Je suis dans une situation compliquée. J'ai plus de puits, mais l'invoque est sur l'item. L'invoque est sur l'item. Je peux grid le crit Rasa. Le crit Rasa, il est incroyable. Si ça passe là, je rappelle, il y a une cape en full perf, donc avec, comme ça, avec 50 sagesse, qui s'est vendue aujourd'hui à 100 millions sur Hush. Donc si, si je crit une Rasa, ça vaut 100 millions. D'un autre côté, bon. Le chat me dit plutôt, mais pas de Rasa, tu la feras plus tard. Écoutez, de toute façon, c'est Optimisation qui m'a passé. C'est le pseudo de la personne qui m'a passé la cape. Je te laisse me MP, je pense que c'est sur le live, Optimisation. Tu choisis si je trans ou si je tente une incrite Rasa. C'est toi qui m'a passé la cape, donc c'est toi qui choisis. Je te laisse me MP in-game. Bon, vous ne voyez pas sur la vidéo, mais voilà, moi je vais voir. Et voilà. Et il me dit comme tu veux. Il me dit comme tu veux. On me dit transpasse en Rasa, mais... Le mec me remet la décision sur les épaules en plus. Hein. Ça, il y a vraiment... hein. Le chat me dit on veut du colis. Le chat me dit on veut du colis. Le chat me dit ne tente pas, ça passera pas. En vrai, là j'en suis dans un... Là je suis à un stade où en fait il me manque 3 items pour faire du PVP du colis à fond. Ça fait déjà 3 jours que je suis sur l'item là. Je ne compte plus les camors, on est à 119 tenta PA qui ne sont pas passés. Je pense que c'est plus sage de trans là-dessus. Même si c'est un peu dommage. Et de refaire une session tryhard plus tard. Mais parce que là, en fait, je suis dans un état où je ne peux pas colis à cause du fait que mes items ne sont pas prêts. Et on est quand même pour un érodeur R. C'est juste un esquive PA, un esquive PM en moins. La Rasa. Ah là là, ça m'insulte. Ça m'insulte dans le chat. Les amis, la pression sociale, là. La fameuse. La personne qui me l'a passé me demande de signer. Trop longue cette cape, les gars, rendez-vous. Le truc, c'est que sinon, en fait, on est parti, j'ai l'impression, pour 2 semaines à FM ça, et donc ça veut dire pas de vidéo FM qui sort tant que c'est pas fini, ça veut dire pas de PVP sur la chaîne, pas de colisée avant live. Il y a ça derrière, vous voyez. Alors que si je l'ai fait et qu'après, à la limite, on s'en refait des tryhards pour en avoir une plus belle, voilà. On pourra là, aller chercher de 50 Sasa. Donc je pense que c'est plus sage. Le chat en folie. Hein. Le chat en folie. Ah putain, les amis, c'est compliqué, c'est compliqué. Et le propriétaire qui ne choisit même pas, il me dit tu fais comme tu veux. Donc j'en mets une comme ça, c'est ça? Ouais. Hop, bah le GPerf, hein. Évidemment, strat opti pour GPerf, mettez un orb sur votre item. 5 dopu sur 5, c'est pas très compliqué. Après, ouais, non, mais la vitesse, c'est cool. Bon, c'était une chance sur 5, quoi. Je te mets un PA? Ouais, vas-y.
Enchaîne, enchaîne, t'inquiète. PA, ensuite PA sur les deux. Ah bah. Bon. Non mais si Bon, vous... bah En fait, c'est alors, tutoriel les amis, tutoriel GPRP PA, ORB PA, voilà, c'est très facile. pas grave. C'est sur Joule, ça. Moi j'ai fait ça sur mes items 200 PVP, hein. ORB PA, bam, toujours en deux clics, j'ai mes GPRP PA, hein. C'est très très simple. Bon. Je le monte et en général, en fait, ces anneaux-là, tu peux les remonter. J'ai parfait avec un. Ah bah voilà. J'allais dire, ça commence à faire. Alors, fais voir le jet, bah vas-y. Pour prendre exemple, on va le remonter, lui. On s'en fout s'il pète le PM. Te mets Mets un le crit. 2R déjà. Doer? Bah le Doer il est Je mets déjà. free. Il est à 4 déjà le Doer. Hein. Ah, my bad, j'ai cru que c'était 5. Ouais, go cri alors. C'est pas grave, s'il saute, c'est bien, on fait le bruit. Ça fera un petit. Bon, ça va pas terrible le grillage, mais. Vas-y, Doer du coup. Ok, c'est pas grave. Doer. Go, pas fuit. Pas fini? Ouais. Cri. Ouais. Vas-y, vas-y. Hein. Mais Encore. travaille pas, hein, c'est pas grave. Pas Doer. Ouais. Le PM, il va partir. Non. Suite, ok. Vas-y, go pavie maintenant. Je Et tu continue. foutras une rage quand la vie elle sera à 49. Attends, je vais à la pavie. Pavie à 49, une tour rage. Ouais. Après, on verra ce que ça saute, mais. Voilà. Rage. Voilà, ok. Vas-y, bah tu me le perf et après on verra le puits qui reste. Tu veux que je compte le pieu ou tu le fais? Bah on va le faire alors. Il y a eu 15 vitalités, 1 DR, donc on a 2 et ça on a 82 du coup, c'est ça? C'est une rat hein, qui a fait péter le PM. C'est une rat qui a fait péter le PM, ouais. Ouais, donc on est à 82. Donc je fais quoi? Je te laisse me guider ou je le fais moi-même? Le fait. Non, t'inquiète. Mets les 2 R en dos simple. Voilà. Voilà, fuite. Oui. Rage. Ra, tu mets rage là. Rage. J'aurais mis page. Bon, dommage, rage, vraiment. Et après, on va compter. Du coup, il y a 9 en page, 19, 8, 27, 32. Et là-bas, on avait moins 8 encore, 40. Donc, on a 50. Je crois que je compte 50 de tête, vite fait. Ouais. Tu veux pas que je T'es à bourrine la... 50. Tu veux pas que je bourrine la rune vie... Ah non mais là je suis con, c'est plus 5. T'es à 50 aussi ou pas juste? De quoi? On est d'accord, t'es à 50 aussi ou pas? Ah bah moi Enfin, tu enregistrable. m'as dit que tu comptais, donc moi je te laissais faire. Ok. Bah, attends, bah, j'ai fait juste alors, mais moins 2, 82. Ok. 77. 69. 59. 50. Ouais, alors du coup, il reste 50. Ouais. On va mettre 2 vies. Deux vies. Ouais. Ensuite, 6 pavis. Pas vie. 6 pavis. Si pas 6 pour vie. commencer. Et après, on sera à 30 après. Normalement. J'ai pas envie de recompter, hein, c'est pas Tu voulais pas grave. mettre 5 ravis direct? Non. Donc. Parce que si là, mets-moi 10 pavis, on verra ce que ça donne. Attends, je mets 10 pas vie là? Ou quoi que. Non, 3 ravis, 3 ravis. Faut prendre une décision au bout d'un moment. J'ai essayé de Ouais, suivre des 3 ravis. instructions si tu veux, mais à chaque fois que je bouge ma souris, ça change. Non, mais t'as raison, mais dis tes calls, hein, genre. Ah bah c'est ton item mon Je pense gros. que voilà, ça a plus échec, c'était obvious, mais on Moi mon foutra pas call la c'est on suite. arrête de faire des items bas level et on go Je faire du gros brisage PA énervé sur des items 200, c'est ça mon call. Mais bon, qui foutrai sait. un PM dessus. Bah c'est un très beau brisage PA, hein, vraiment ça valait le coup. Mais 36, c'est pas grave, genre j'aurais pu le garder comme ça, mais je l'ai fait juste pour le stream. Hein. Ça marche. Le PM là-dessus tu dis? C'est pas. Je suis pas. En gars PM, ça. Non, mais pas. Faut que tu veux le mettre maintenant. Bah c'est comme Je tu vais le veux. mettre dans le coffre, comme ça fera. Tu vois, quand on aura 10 comme ça, un jour il passera, il sera beau. Mais avec les 10 pavis, on aurait au moins. Tu vois, on aurait au moins 15-30 de plus et ça aurait été un peu mieux déjà, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Excuse-moi d'avoir fait ce que tu m'as dit de faire. Je fais Non, quoi? Je passe au suivant du coup? ouais, vas-y, go, on va finir les autres trucs là et après passe sur les 200 et voilà. Très bien. J'espère que ça lag pas trop sur le stream.
Après, s'il y en a qui se posent des questions, je remonte pas les anneaux. Hein. Tu fous une orbe, c'est 2000 kamas. Voilà. Ouais, PA sur ça. PA. Ouais. Si je les trouve. Il devrait mettre un truc de recherche en mode tu peux rechercher ta rune. Ouais, mais les trucs de recherche qui. Vas-y, bah, go sur les 200. Là. Il me reste quoi? 17 magistrales. Ok. Donc là, PA et après Non, j'ai magistral. PA sur tous les 3 là. Ok. Ok, lui il passe pas, c'est good. Allez. Il passe pas, c'est good. Chacun sa vision de l'exo. J'en ai fait un perf de 16 aujourd'hui d'ailleurs. Full D'accord, bah, perf. GG à toi. On m'a dit que c'était pas facile à faire en plus, mais bon, ça m'a pas l'air C'est pas insane. facile, bah, j'en ai eu 4, 29 avant d'avoir le full perf. Sans compter ceux qui ont été ridicules, enfin ridicules, qui ont pris un PA direct. Vas-y, go orb. Hein. Je mets orbe sur lequel? Go sur le volcan, mets que des orbes sur le volcan et tu le remontes vite fait, tu vois. Orbe, tu le remontes, PA et voilà. Parce qu'avec l'orbe, ça te prend pas beaucoup de win normalement. Mec, t'es en train de me faire travailler pour toi là. Je vais te donner des cartes si c'est ça le truc, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Mais... Hop, donc la orbe. Là, je remonte ou je paye là-dessus par exemple? Bah là, fous-moi une rachat. EPA? Et une répair. Genre juste le minimum, tu vois, qui est au moins 17 d'eau, 10 répair, 90 chances et 235 minimum. Enfin, c'est dégueulasse, mais que ce soit à peu près potable, quoi. Et si c'est vraiment horrible, bah, je verrais bien, ça peut partir en brisage aussi, mais Volcan, c'est pas terrible à briser quand même. C'est vraiment de la merde, ça. Je me suis pris un traquenard en fait. En fait, tu m'as dit j'ai des tendas de fou à faire sur des items perf 200 et en fait, Non, je me retrouve à monter un géo volcan quoi. Putain, je me suis fait boloss je t'ai pas dit j'ai en des tentats de foot sur des items perf de sang, mais. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave, Enfin, juste tu peux. Je t'ai dit justement, pour le machin, pour l'event tabou, je fais un truc propre. Là, je te fais un truc en vite fait, je t'ai dit, Non, mais il n'y a pas de voilà, souci. j'ai des Est-ce que trucs tu veux propres. que je passe faire le ménage chez toi aussi? Je suis Bah, si parti, tu hein. Je te fais le café, veux. je repasse tes habits, tes caleçons, je fais la totale, hein. Je suis parti, donc voilà. Je te fais confiance, tu vois rien. Très bien. Hop. Vas-y, un vrai joke, juste finis les orbes. Je bourrine les orbes, je spam orb PA. Non, finis-les à. Laisse-les à 10, s'il te plaît, pardon. D'accord. J'en servirai peut-être plus tard. Pour pas te faire trop de travail. Ouais, je. Travailler, c'est compliqué. Vas-y, go Pavi, là, du coup, tu me fais le reliquat. Oh, la pute. Ah, nickel. Voilà, c'est un beau voilà, c'est pas beau, hein, c'est pas mal ça. Je comprendrai jamais les gens qui mettent des PA là-dessus. Enfin, qui jouent avec ce genre de truc en PA. Bah, vaut mieux avoir le 5, je suis d'accord. Hein, ça, Bah, pour moi, c'est. un item comme ça, tu brises un PA et tu trans en fait. Et le PA, tu le mets sur un truc où il y a un PO ou je sais pas quoi. Bon, chacun sa vision des J'aurais dit choses. oui si c'était pas le Volcorn, parce que le Volcorn, t'es trop tributaire de l'aléatoire sur le brisage. Ben non, mais il te suffit d'en faire plein jusqu'à ce côté le jet que tu veux. Oui, non, mais d'accord, non, mais. Je suis d'accord, mais dans ce sens-là, oui, mais en Ah, termes de ah. rentabilité, pour Non, mais vendre, voilà, c'est faut dire les vraiment. choses au bout d'un moment, hein? Mais par contre, dans ce sens-là, oui, bien sûr, bah oui, tu fais un full perf. Enfin, allez, Voilà. 249,99 sur du full, s'il reste les perfs, ça peut s'accepter, mais bon. J'aime quand on me dit que j'ai raison, c'est absolument magnifique. Par contre, on va avoir un problème de repère, hein. Oh bah non, voilà le petit crit. Non, non, mais voilà, vas-y, passe le perf. Hein. Alors le passé, j'aimerais bien, en tout cas je clique. Donc là, voilà, Et voilà, je te laisse les orbes à 10. Je paye à PA. direct là. Ouais, PA. Ensuite, tu fais les 3 orbes sur les 200 et tu lire PA et c'est fini. Voilà. Attends, les 3 orbes sur les 200. Bah, enfin, tu repasses 3 orbes sur les anneaux, quoi. 200. Tu les remets en PA et c'est fini. Sur chacun, je mets un orbe et Ouais, un PA. une orbe PA. Donc en fait, on reste pas à 10 orbes. Bah, on restera à 7, c'est pas bien grave. Parfait. Voilà, il passe pas. C'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Hein. Moi, je me disais, on va juste Ouais, balancer non, les trucs. Mec, excuse-moi, mais la tu me donnes prochaine des fois, algorithmes à faire dans ma tête. Quand t'es à 32 runes, tu passes. Là, tu fais deux fois le tour de ta chaise. Tu te relèves. Mais au bout d'un moment, c'est. tu Non, n'as mais rien c'est à faire, voilà. intéressant. C'est intéressant. Comme je t'ai dit, la prochaine fois, il y aura déjà plus d'items intéressants et il y aura plus de. Il y aura comment ce sera plus simple, on va dire. Très bien. Je te mettrai tous les items, ça c'est PA.
tous les items, sa CPM, et voilà. On fera rune par rune, ce sera plus simple, à mon avis. Parfait. Du coup, c'est tout? Ouais, attends, vas-y, je reviens, je vais aller dans ma banque pour te payer parce que. Ah, c'est gentil, Je suis t'es pas dans. obligé, J'ai c'est comme envie tu que tu veux, restes c'est un comme peu tu veux. tranquille, sinon tu vas pas être content. C'est comme tu veux. Mais mec, t'inquiète, je rigole depuis tout à l'heure, hein, je suis en mode full bonne Ah, mais humeur, je sais, y a aucun souci, hein, c'est quand ça me même fait sympa, plaisir, j'ai c'est pas sympa, trop c'est de interactif et tout, ça fait un petit live c'est rigolo, quand même du temps, quoi. y a aucun souci, mon bro, tu me dois rien. Hein, mais... Ouais, mais Comme j'ai tu quand même veux. Après, moi, je crache jamais sur un pourboire, hein, tu me connais, hein, moi, les camas. Non, mais de toute façon, je préfère payer de pour la ne serait-ce que pour la symbolique, je pense que tu comprends. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors attendez, je vais quand même montrer un truc au chat. J'arrive, hein. Hop. Yes, Je bah vais de leur toute façon, montrer le. moi je vais y aller sous. Je vais leur montrer l'honoreuse que tu m'as fait parce que. Hop. Ah ouais, il est juste en 399, sinon c'est good. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, parce que ne Et croyez pas que c'est un mec qui fait que on des va trucs peut-être faire plus. ridicules sur des mini-anneaux level 30. Voilà, c'est un gars qui sait bien FM et tout. Hein, ne paniquez pas et ne vous moquez pas. Chacun ses façons de se faire des camas. C'est vrai que c'est un petit peu original. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Non, mais Mais voilà, il m'a après, fait des beaux items. Hein. enfin, là, j'ai les PA, ils sont pas basés sur les 200, mais en soi, on a fait quand même des tentatives, quoi. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est le père, c'est juste qu'on décide pas quand il passe, quoi. Encore heureux, ce serait pas drôle Ah, sinon. ce serait. Après, tu sais, avec les runes trans, t'inquiète que dans 3 mises à jour, on aura des runes trans PA. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, 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 c'est une honte. Non, jamais ils font ça. Ils ont pas de race, ils font ça. Ils savent très bien que tu peux pas faire ça. Ou alors la trans, elle coûte Mec, 12 millions. tu sais qu'ils allaient mettre les runes corruption dans le jeu en fait, et que ce qui nous a sauvé des runes corruption, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à les mettre. Moi, je trouve ça hyper grave, hein, mais vraiment, bon. C'est. Hein, et je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils sont capables de nous pondre en fait, si tu veux, c'est Yes. technique. Attends, t'es où? Ah, t'es plus à l'étage? T'es descendu, Je c'est n'ai ça? absolument pas bougé, mec. Ah, my bad. Alors attends, par contre, je suis Je peut-être le un voyais peu pas dans caché. les. Ok, c'est bon. Voilà, mon rêve là, j'ai montré l'anneau pour que les gens voient que tu es un forge mage sérieux et aguerri. Ouais, mais attends, je peux te link, attends. Le 16, je vais te l'envoyer sur Discord, comme ça tu vas leur montrer. Je sais ce que je viens de passer juste il y a 3 heures. Tu l'as pas sur toi là? Non, bah non, j'ai vendu. Je l'ai vendu directement, j'ai mis un message commerce. De toute façon, c'est un 16 perf. Oui, full perf. Bah du coup, il y a rien à montrer, je veux juste te dire que c'est un 16 full perf. Oui, y a rien à montrer, mais c'est parce que tu me dis, je sais pas, je lis pas le chat, je suis même pas sur le live, donc je sais pas ce qu'ils disent, Non mais le chat, ils sont en mode full bonne humeur là, tout le monde est en mode c'est dimanche matin, on est tous de bonne humeur et tout le monde ouais, est trop c'est ça. content, t'inquiète. Et merde, qu'est-ce que je fous? Ah, Je te dis, qu'est-ce que je me suis dit, il va me payer avec un de ses anneaux je level fous? Il m'a 35. La richesse, les amis. Merci à toi. Merci à toi, mon bro. Bon, bah écoute, bah, Bon. c'était très sympa. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. Vas-y, bah, la prochaine fois, ça sera plus rapide et un peu plus sérieux, on va dire. Ouais, bah y a aucun souci. Et puis, s'il y en a d'autres éventuellement qui veulent évidemment se faire exo leurs meilleurs anneaux, MP-moi sur Julith, c'est avec plaisir. Et on n'oublie pas quand même la coiffe, enfin la coiffe du gland, j'ai parfait, hein. Ah, ça c'était beau. J'ai Tiens, parfait. tu peux me la link, s'il te plaît? Qu'on voit du gros G, quoi. Du gros G PVP, évidemment. Le gros, ça c'est huge, ça. Tu l'as vendu combien, ton 16 perf, on te demande dans le chat. Alors, je l'ai vendu 33M. 33M, parce Mais en soi, t'as que vendu y a ça quelqu'un qui nous vaut. dit qu'il a vendu le sien à Je 180 voulais juste millions. m'en débarrasser. Je sais que ça vaut plus, mais je voulais m'en débarrasser. Alors. Je l'ai vendu directement. J'ai mis un message commerce. J'ai eu un MP d'un mec que je connaissais. Il m'a proposé ça. J'ai donné. J'en ferai un aujourd'hui ou demain, de toute façon. D'accord. Enfin, 33M, en tout cas, j'entends très rien. c'est gentil. Au-delà d'enfer, j'entends très rien. Ça marche. Bref. Bon bah Bon, écoute, allez. on va se laisser Bonne ici. journée à toi. Bonne Bonne journée à journée. toi. Merci, merci pour le d'avoir participé. Merci de m'avoir proposé ça. Ça change un peu de ce que je fais sur mes streams. Ouais, Après c'est pas 3 jours de mal. hint sur la cave Vallée Vénard, ça fait du bien de se détendre un peu. Et puis bah écoute, Ah oui, à du la coup, prochaine, bah. au plaisir. Ok. Bah, bon courage pour tes FM aussi, du coup. Merci. Salut, salut. Bonne journée. C'est assez atypique. Le PA vraiment ne veut pas tomber. Ok, on a le PA. C'est toujours compliqué parce que plus le PA met de temps à tomber et bah plus le G baisse parce qu'à chaque fois vous passez des runes avec un PA qui fait qu'il y a beaucoup de poids sur l'item. Donc les runes passent très mal. Donc plus le PA met de temps à tomber et plus c'est catastrophique. Donc écoutez, là, moins 2 de PP, moins reliquat. J'ai probablement 0 ici.
Là, j'avais plus 2, là, j'avais 0. Ouais. Bon, dans tous les cas, là, j'ai 4 et 6, j'ai 10. Donc là, j'ai plus vraiment 3 fois rien depuis. Je pense que j'ai 90 depuis. J'ai peut-être un tout petit peu de résidu, mais c'est très peu probable. Évidemment, on sait depuis l'Anka Live d'aujourd'hui que à partir de la 2.58, on aurait exactement l'historique. Enfin, dans l'historique, on pourrait voir précisément quelle rune a fait tomber quelle chose. Et ça, c'est évidemment magnifique. Alors, on va devoir commencer par un Overvita. Quoique, non, je vais pas laisser la J en sujet. Ça m'embête qu'elle soit en sujet. Donc, évidemment, on crit comme un ouf. Ça, c'est la base. Non, mais si vous voulez, voilà. Hein, voilà, hein, tout va bien. Donc, ensuite, une petite parée pou. Moi, je full crit mes runes, comme ça, je gaspille pas mon puits. Ça, astuce forge magie. Mettez que des succès crit, comme ça, vous gardez plein de puits. Et c'est évidemment comme ça qu'on fait des gros jets. Donc, je disais, on commence par la Vita. Ok, qui passe. Moins 10. Alors là, il nous faudrait vraiment un moins 6. Je peux y aller à la récré. La récré qui normalement pèse 2, mais là, comme elle est en malus, elle pèse que la moitié, c'est-à-dire 1. Donc évidemment, ça crit. Ça crit encore, ça crit encore. Ah, dommage, j'ai le moins 5. J'aurais beaucoup aimé le moins 6 qui m'aurait fait le père Vita. On n'aura pas cette chance, malheureusement. Écoutez. C'est fait, hein. Donc, tac, la J qui crit encore, bah décidément. L'Edo feu, on va y aller tranquillement sur l'Edo. Donc là, je suis à 15, moins 15. Écoutez, c'est assez insane hein, ce qui se passe sur ce brisage. Là, je vous avouerai que ça régale, hein, franchement. Les repères, 6, 12, 18. 24. Moins 24. Je vais monter les repos à 30. Moins 36. Ouh, là par contre on perd beaucoup. On perd beaucoup les amis. Il nous reste 5 de puits. Les amis. Bah là, il nous faut le tacle et il nous faut la récré, mais. Yes. J'ai tout pile de quoi mettre ma rune tacle et j'ai le père, enfin le near perf. Hein, on aura moins 4 vita, moins 2 sagesse. En vrai, c'est insane. Hein. Il faut vraiment que ça passe. Yes, les amis. Écoutez. Si vous voulez. Bon. L'item n'est pas simple à faire. Comment vous dire que quelqu'un qui aurait besoin de ça dans un de ses stuffs et qui veut mettre une transe dessus, bah ça régale en fait, ça régale, on vient de faire un petit bijou. Donc écoutez, voilà, c'est parfait. Ok, c'est pas trop mal. Écoutez, on a fait le yo-yo sur les raises. Là, c'est que donc quand on voit ça, c'est qu'on a 0 de puits, hein, concrètement. Je vérifie quand même de loin, mais bon, ça c'est du moins 3. Ouais, bon. Donc on a 94, hein. Let's go. Donc, la Vita, si je monte, là j'ai le 347. Je peux aller chercher le 349. Optique, c'est ton item. Est-ce que tu peux me dire si tu préfères 347 ou est-ce que je vais chercher le 349? Tu me dis, c'est ton item. Hop. On va déjà compter ça. On va mettre, évidemment, là, pas ça. Qui pas ça. Pas assez simple, hein, s'il vous plaît. Donc, tranquille. En attendant qu'il me réponde, je vais monter les repères. Il me dit, on va faire pour la revente en 35 Sasa. On tentera l'over Vita. D'accord. Bah, dans ce cas, j'aurais même pu ne pas mettre la pavie. On a beaucoup de réussite là sur les repères. Écoutez, on va y aller à fond sur les repères. Il veut du 35 Sasa. On va. Ouais. Alors là. Après, j'ai eu tellement de brisages qui se sont mal passés ce soir que je pense que le karma il est chargé à fond là. Le karma est complètement fade, hein, littéralement. Allez, il faut que ça passe. Moins 20.
Il veut donc un 35 sagesse pour la revente, moins 3. Moins 27, c'est dommage, hein. On avait quelque chose de très sympa. Là j'ai 17. C'est triste les amis. On peut faire une tente à vie, deux tentes à pavie, une tente à ravie. J'ai failli mon puits. Alors ça par contre je vous avouerai que je l'avais pas vu venir. Où est-ce que j'ai failli? C'est peut-être là. Ah j'ai failli ici, j'ai int. C'était le brisage de trop les amis. C'était le brisage de trop, bah il faut mettre le crit. En vrai. Oh, oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Je vous avais dit, on a le karma chargé à fond, mais c'était obligé en fait. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Ça s'est tellement mal passé ce soir, c'est obligé qu'il va se passer une dinguerie sur le dernier. Mais les amis, c'était mais full obvious. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'était full obvious. Bon, optique, on est d'accord que là je fais pas ça et je bouffe tout le puits sur la ravie et je remets le PO. J'attends confirmation parce que je vais encore me faire bolos. Donc, il faut. J'avais mis combien sur la moins 1 ici? Il faut que je regarde. J'avais mis moins 3 alors qu'en fait j'avais pas du tout moins 3. Hein. C'est ça, hein. Là c'est mon moins 3 alors que c'était moins 7 donc j'ai moins 4. J'avais moins 4. Donc il me restait 13. Donc là en fait j'ai fait moins 17. Ok. Il faut juste que je remonte un peu l'historique. Moins 4. Plus 10. 6. Ok donc là j'ai 6. Là, j'ai plus 10 sur la chute du dommage. Et j'ai plus 31 sur la chute du PO. Là, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 31. Je suis le pire singe. Ce soir, genre, j'ai trop fait de brisage en fait. Je n'arrive plus à cliquer sur ma calculatrice, les amis. C'est très très grave. Mais le karma est dans notre camp. Donc ça va nous carry, vous inquiétez pas. Ça va forcément très très bien se passer. Ça va forcément très très bien se passer. Donc là j'avais 6. Je vais tout refaire. Hein. Plus 10. Merci à ma Paco pour l'abonnement. Merci à toi. Plus 10. Et donc là j'ai plus 31. J'ai 47 depuis. Là passa. Qui passa. Hop. 38. En vrai. Je peux faire. Deux vies, deux pavis, deux ravis. Faut vraiment pas que je me sois chié, mais je pense vraiment que je suis bon. On me dit go repair node pour 40. C'est vrai que le crit repair node peut se tenter. Ah non. Moins 2. 36. Bon bah là du coup, on va faire deux pavis into 3 ravis. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me suis encore planté dans le puits, il est trop tard en fait. Ah il m'avait dit go cœur à vie, on va voir si je sais compter. Eh oui les amis, j'ai complètement bien compté, incroyable. Du coup pas de regret, non mais j'ai vraiment un petit le puits là. Hein. Est-ce qu'on finit la soirée, en vrai c'était une soirée intense de Forge et Magie, est-ce qu'on l'a fini? Alors là je signe hein, par contre évidemment. Est-ce qu'on l'a fini sur un PO ou est-ce qu'on l'a fini sur une déception collective, les amis? C'est là. Le chat m'envoie de la force, m'envoie du karma. Bon. Si vous voulez. En vrai, ce soir, on a commencé par un très beau brisage PA. Après, on a eu que des trucs qui sont mal passés. Si on finit là-dessus, c'est fine en vrai, c'est ok. Hein. Pas de chance, les amis, pas de chance. On n'a pas le PO, c'est dommage. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Petite tentative Exopea sur bouclier de Yoko Mainu, évidemment, qui apparemment a été proc en GPerf sur un craft, donc bah, GG à lui. Est-ce que ça passe, les amis? Est-ce qu'on a évidemment du succès sur cette très belle tenta? Pas de chance. Les amis, je regardais mon G.
J'ai vu le 31 sagesse, je me suis dit, je vais regarder le chat et ce serait insane que le PA tombe. J'ai regardé le chat, j'ai regardé l'écran et j'avais ça. C'est vraiment, vraiment GG à tous. Donc là, on a potentiellement un full perf. Il faut juste qu'on ait de la réussite sur les overs. Hein. C'est là que tout va se jouer. Moins 30. Petit 2 feu. Qui crit. Petit 2 R. Qui passe pas. Recrit. Allez, la rage. Oui, moins 10. On a le full perf. Hein. Yes. Moins 5. C'est magnifique, hein. C'est magnifique ce qui se passe ici. Moins 18. 28 depuis. Alors, j'ai pas spécialement compté avant. Je pense que là, j'étais à 0, c'est quasi sûr. Je vais essayer de mettre un crit à la repair, enfin à la réfixe, pardon. Et non. On a donc 4 tentas. Mais c'est très très beau, hein. Une, deux, trois, quatre. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'avoir au moins une tenta 2% PO? Oui, les amis, ça fait littéralement 3 heures qu'on est sur l'item. C'est la première fois qu'un PA repasse. Bon, c'est sur un G qui est pas dégueu. Ça, au moins, on peut le dire. Je PO ou pas? Ou alors je le garde comme ça pour PVP en attendant que j'en passe un autre. Après, un PO là-dessus, ça met bien en vrai. Mais... On me dit PO pas, garde, 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 garde. PO. Je vais faire un sondage, mais bien sûr, je peux faire des sondages. Est-ce que vous allez le voir sur la rediff YouTube? Je sais pas. Je vais faire un sondage tout de suite. J'arrive, hein, ne paniquez pas. Je fais un petit sondage, PO ou pas PO. Hop, commencez le sondage. On va mettre 1 minute de sondage, les amis. Je vous retrouve dès que le sondage est fait. Alors, le sondage est terminé. La réponse est non, pas de PO à 58%. Mais il y a plein de gens qui me spamment. Je me sub si tu PO. Si tu sub, si tu PO, j'offre 20 subs. Si tu PO, j'offre 10 balles, etc. Donc, j'ai fait un deuxième sondage rapide. Est-ce que c'est quoi le plus important entre la démocratie et l'argent? Apparemment, tout le monde est unanime pour dire que c'est l'argent, donc on va PO. Évidemment, et j'attends vos meilleurs subs et vos meilleurs dons, les amis, évidemment. Donc c'est vraiment une belle, belle métaphore de notre société, hein. Vraiment, l'argent, overboost, démocratie, et il faut up, hein. Y a un problème d'équilibrage dans la méta. Donc bah go PO, en fait, hein. Je crois qu'on a juste pas le choix. Pas de chance, pas de chance. Moi, bon, j'attends vos meilleurs subs et vos meilleurs dons, du coup. Hein. Moi, attention, j'ai les pseudos en tête, il va falloir assumer derrière, si vous voulez, hein. Les amis, régalez-moi. Hein. Allez, hein. Je vous fais confiance en fait. Hein. Je vous fais confiance. Voilà, et voilà, j'ai déjà pris un sub. Non, mais c'est bon, j'ai déjà rentabilisé mon PO. Si tous les gens faisaient ce qu'ils avaient annoncé, je serais absolument riche aujourd'hui. Merci à toi, 0J4H, pour l'abonnement, évidemment. Merci à Keteleria TV pour son Prime. Merci. Ah, vraiment, c'est insane. Hein. Insane ce qui se passe en termes d'interaction sur ce stream. On est vraiment au summum de la commu et du live. Là, c'est vraiment magnifique. Je ne vois pas de dons. Je me suis fait prendre par mes abonnés. C'est vraiment unlucky. Écoutez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Ah, abonnement de niveau 1 pour Kuto. On a quoi? Train de la hype. Tu bannes un mec random, je me sub. Allez, let's go. Oh, mais là, c'est la roue libre. Hein. C'est la roue libre. Hop. Ah, pas de chance, le mec random qui est ban, c'est toi. C'est vraiment full unlock. Et c'est les sub gift, évidemment. Merci à tous. Merci pour le don de 5 euros d'optimisation, le héros. Merci à CT pour les sub gift, les 5 ou 6 sub gift, j'ai mal vu. C'est insane. C'est la folie, les amis. Merci pour les dons. Merci Fabi17 qui me met bon. Non mais si vous voulez, vous voyez, je sacrifie un 2% perf, mais regardez ce qu'on a en retour, est-ce que c'est rentable ou pas? Stonks, hein, là je crois qu'on peut dire Stonks. Ça aurait été insane qu'en plus j'ai le PO, parce que là si vous voulez, c'est un donnant-donnant, c'est-à-dire que je perds mon item, mais je gagne ma truc, alors que si j'avais passé le PO, ça aurait été jackpot des deux côtés, si vous voulez. Bon,
Ultra méga stonks, on me dit, je suis la team Nourassa en plus. Incroyable, je me fais influencer. Bel exemple de pression sociale, en tout cas, de corruption. Là, vous voyez en direct ce qui ravage notre société, évidemment. Le capitalisme en roue libre, hein, évidemment. Donc, écoutez, on a gagné 1 milliard de subs. GG à tous. T'as trouvé une faille euro IRL infinie. Ah, bah, je pense qu'on peut dire ça, oui. Bon, le titre de la vidéo, je passe pas le PO, m'en fous, je suis riche. En vrai, c'est pas. Est-ce que ce serait pas un truc de ouf? Ah ouais, t'as une mémoire de fou. Oui, bon, tout de suite. Faudrait ramener ce que t'as gagné là en Ogreen pour voir si c'est rentable. Bah écoutez, petit produit en croix. Il y avait un vote et on avait voté non. Ce stream est une réelle dictature. Mais tu sais qu'il y a une ville en France, je sais plus exactement c'est laquelle, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ils ont fait un référendum pour savoir s'il fallait qu'ils mettent un tram ou pas. Le référendum a dit non, ils ont mis un tram. Si tu veux, c'est vraiment la démocratie en PLS. Donc pas de chance. Merci à Usgi pour ses 10 euros. Non mais vraiment, les référendums, si vous voulez, c'est compliqué. Merci à Hermaphrodite pour son abonnement. C'est. Non mais ça régale les amis, que voulez-vous? Tellement d'interactions sur ce stream. Il y a quand même un mec tout à l'heure qui est passé et qui nous a dit What the fuck, pourquoi il y a 350 personnes viewers sur un stream paumé d'un pauvre gars qui fait de la FM, c'est de la merde, qu'est-ce que vous faites là? Et le gars, 1 heure après, il était encore là, en fait, en train de critiquer, il s'est fait prank-ed. Et bien évidemment, c'est le cas de tout le monde. L'interaction sur ce stream, les amis, évidemment, parce que la vie, le confinement, c'est quoi? C'est le partage avant tout. C'est tous ensemble sur un stream, évidemment. On me demande si je compte continuer le FM. Bon. Est-ce que j'ai un 2% PO? Tu vois, tu poses des questions, mais tu n'as pas cherché la réponse par toi-même. Tu sais, c'est comme quand tu étais à l'école primaire et tu levais la main pour dire maîtresse, ça fait combien 4 plus 4? Et elle te dit, Jérémy, tu me poses la question, mais avant de poser la question, essaie de trouver la réponse par toi-même. Et comme ça, en fait, tu progresses. Donc là, est-ce que tu vois un 2% PO sur mon item? Non. Donc évidemment qu'on va mettre un PO et qu'on va continuer, en fait. C'est évident. C'est la vie qui marche comme ça, les amis. Bon, ah oui, faut que j'arrête, sinon je vais encore finir dans Best of de Fus. Donc, ah oui, faut que je me calme, pardon, vous allez me prendre pour un taré. Tentacrit, passo sur un bâton, moins de force, le reste perf. Très dur à FM ce truc. Si on passe une passo là-dessus, c'est énorme. Pas de chance, les amis. Les dos, on va les mettre à 17. J'ai deux. Là j'ai 0, là j'ai plus 1, là j'ai moins 1. Ok. J'ai 2 plus 95. 97 depuis. Je vais demander au propriétaire s'il préfère que je fasse full perf ou que je reste à 70 d'AJ pour la revente. Ça sera plus intéressant d'un point de vue Kama. De rester à 78, mais moi, si c'était un item à moi, j'irais chercher le 80 à tout prix. Ou on peut à la limite faire. Est-ce qu'une PA-H peut encore passer? À 80 max, la PA-H peut passer. On peut faire 71 into 81. Ça peut encore se négocier. Écoutez, c'est son item, on verra ce qu'il me répond. On va commencer de toute façon par la Vita. Voilà, ça, il fallait la passer. Moins 10. Là, je peux mettre 3 runes qui pèsent 1. On va mettre 3 faux, voilà. Il me faut juste un moins 6 et deux moins 5. Allez, un moins 6, please. Ben non, mais pas maintenant. Oh. Bon, on va mettre le Doer. Il me dit de m'occuper de l'AJ en dernier, comme ça on verra comment ça se comporte. Ça me va. Moins 2. On va mettre évidemment mes repères. Moins 12. Bon, là, pas d'eau, il faut que j'y aille hein, de toute façon. Autant la mettre quand l'item n'est pas encore trop chargé. Yes! Ça, c'est ce qu'on veut, ça. Allez, on va mettre les petites runes tacles. Moins 12. On a encore beaucoup de puits, les amis, ça se présente très très bien. Là, les restes PM. Moins 21. Par époux. Moins 12. Il me reste 28. Hmm. 28, c'est une Ra-Hage et deux Tentapasa.
Rat H2 dans ta passa. On peut aussi faire pas H en espérant que ça passe. C'est assez tendu à 68 de mettre une pas H, hein. C'est difficile, mais ça peut encore sur un item à 80 max. Ouais. Bon, on va faire Rat H2 passa. C'est confirmé par le propriétaire. Ah, dommage. Bah, du coup, il faut que j'en mette Rat H. Ok, moins 20. J'avais pas le choix, hein. Sinon ça ne valait rien. 8. C'est déjà un très très gros jet. Hein. Là, la revente, c'est déjà très 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 bon. 8, je peux mettre 2 Tantassa et 2 Tanta Agi. C'est le mieux que j'ai à faire avec les 8 qui me restent. Il me faut juste du crit. Faut bien compter. Hein. Une, deux. J'espère que j'ai pas fait le puits, mais je pense que c'est bon. Voilà, on a tout utilisé jusqu'au dernier. Écoutez, voilà. Hein. Les amis, on n'aura pas le full full, mais c'est déjà. Là, on peut presque appeler ça un near perf. Techniquement, pour appeler ça un near perf, il aurait fallu 48 sagesse. Mais ça reste très très beau, franchement. Et c'est le plus beau brisage qu'on a eu à ce jour sur la cape. C'est la technique opti. Hop. On va évidemment lâcher notre meilleur moins 6. Hein. Ah, j'étais sûr de moi pourtant. Je sais pas à quel moment la situation a ripé hors de contrôle. Alors hop, tac. Bah alors oui, les crits je prends, hein, ça me va. Hein. En vrai, si on full crit, on peut faire des trucs. Hein. Mais oui, mais bien sûr en fait, évidemment. Bon, du coup, j'ai pas compté. C'est tellement moche. Oh, on va bien avoir un petit 3% là-dessus. Oh putain, j'avais peut-être une tente à 2% PO. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ah, mais j'ai cut, mais en fait, on a le PA qui tombe sur le PO. C'est obvious. C'était évident. Bon, j'ai eu le culot de ne pas compter le puits avant en me disant bah, je vais avoir 3%. Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la démarche et on referait pas la même chose par hasard? Ah non, mais là, franchement, c'est zéro fun. Hein. C'est zéro fun. Mais. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de mains reliquats quand même. Hein. Ça fait beaucoup de mains reliquats, je trouve. Hein. Et puis évidemment, je passe mes meilleurs PA là-dessus. C'est. Les amis, je sais pas. C'est vraiment, vraiment unlucky. Bon, là, c'est une dinguerie. J'étais en train de dire à mon chat. Il faut que le PA tombe maintenant, 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 en faisant mes carabistouilles, évidemment, pour maximiser les chances de chute du PA. Et oui, j'ai réussi, je l'ai fait tomber le PA sur un 400 Vita 40 sagesse. J'ai utilisé tout mon karma, là, le karma est chargé à fond parce que je me suis tellement fait boulos par l'item, ça devrait bien se passer. 97, on a l'Intel Lagi, l'Edo R à monter et le reste est nickel, ça peut faire un truc de ouf. Après, bon, il se pourrait que par le passé, j'ai eu 13 tentats et qu'on ait passé 15%, mais bon. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Ah, déjà moins 50 pour l'intel, ça fait beaucoup. On va pas relever, on va faire comme si tout allait très bien. Voilà, on compense sur les crits. Oui. Petite pas faux. Oui, allez, maintenant il faut qu'elle passe. Faut qu'elle passe. Moins 20. Rah, on avait un truc magnifique, on a défoncé beaucoup depuis. Les overs, hein, les overs qui pardonnent pas. Qui ne font pas de cadeaux. Pas de cadeaux, pas de cadeaux. Hein. Moins 3. Bah, j'ai tout pile 4 tentas. Bon, au moins ça tombe tout rond. Peut-être le perf 4%. C'est encore possible.
J'y mets tout mon cœur, hein. Je vous promets que j'y mets toute mon âme, hein. Mais il y a des limites à ce que je peux faire. Hein. Bon, on va tenter l'écrit très perdu. Hein. Et non. Je viens de lancer le stream, première tentative de la soirée. Écoutez, j'ai fait un petit misclick, j'ai mis une dofeu de trop, donc on a un over dofeu, mais le jet est pas dégueu, j'ai les 40 sagesse et les 80 d'intel, donc franchement c'est pas mal. Je tryhard le full perf évidemment, on va faire tac, plus 2, tac tac, moins 3, hop, hop, oh yes, moins 20. L'attentat est insane les amis, on a le full perf. Plus 0,2. La J. Il y a plusieurs choses qu'il faut que je gère là. Je vais over. Il y a toujours un petit débat sur est-ce qu'il vaut mieux d'abord monter les lignes qui sont en sous-G. Là, il y a les réécrits et les repères. Ou alors d'abord faire les overs. Je vais faire l'over plutôt. On espère. Oh, ça passe hyper bien. Les amis, l'attentat est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ça va être magnifique. Peut-être tenter à 3% full perf. C'est pas du ce serait pas du tout impossible. Là, c'est tout se passe à merveille. Là, vraiment, je pouvais pas avoir une meilleure tenta que ça. C'est absolument insane. Oh. Incroyable. C'est parfait. Je pense que c'est la plus belle tenta que j'ai depuis que j'ai commencé le FM System. Oh, quoique. Enfin, 9 tentas sur full perf. Ça met quand même plutôt bien. On commence bien la soirée, hein. Je viens juste de lancer mon stream, il n'y a encore personne là pour l'instant. Bon, bah écoutez. Faut y aller. Oui, ça commence bien. Oh yes. Je pense que j'ai une tenta... Bon, je vais pas parler trop vite parce que je vais me faire karma. J'ai envie de dire, c'est sûr que j'ai une tenta full perf 3%. Mais on va éviter de parler trop vite. Hein. On va cliquer sur les runes calmement. Et on va espérer qu'il se passe un petit 3%. Et voilà. Non mais c'était sûr. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Pas de PA. Mais allez, on continue. Ça aurait été beau, dommage. 96 depuis. Bon, la vita est un peu dégueu, mais ça va être compliqué de la rectifier. On va... Ah, j'ai serré les... Hey, j'ai serré les dents. Hein? C'est passé. C'est passé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, je vais faire repair. Récrit. Hop. Ça pique un peu là, mais bon. Je vais pas faux en vrai. J'aurais pu mettre une récrit, putain, je suis débile. Je suis un bouffon, évidemment. Les rageux du chat avaient raison depuis tout ce temps, en fait, je ne sais pas FM. Unlucky. Bon, 44. Techniquement, je peux tenter un double succès crit à la réfixe et je gagne une tenta. Raté. Donc j'ai 7 tenta. Donc j'accepterai minimum 3% sur un ingénieur perf, donc là-dessus en PO. Par contre, si j'ai un PO, je suis bien. Pas de chance. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.